vous classez à Logan. Disait Thierry, toute brutalité policière condamnable. Et 24 de brutalité policière, il frappe toutes les communes. Mais ceci dit, quand nous avons des statistiques, dans un pays qui ne connaît l'esclavage, comme l'île Maurice ou les États-Unis, les statistiques montrent qu'il y a un descendant d'esclaves, jusqu'aujourd'hui victime de discrimination, d'injustice, et reposent proportionnellement en plus grand nombre quand il s'agit de brutalité policière, de timoun en prison, pour une raison historique, sociologique, je trouve les statistiques contre lui en nombre, en plus grand nombre. Ce qui demande une action permanente du gouvernement. Mais ceci dit aussi, voilà, il est coupable parce qu'il est l'insecte sur l'accusation de toute la police. Parce qu'il y a un PC corrigé. Et sa première déclaration, qui éclabousse toute la police. Ce qui est inacceptable et dangereux. Gouvernement, le Premier ministre, d'abord, qui est responsable de la police, vient agir au lieu de faire une déclaration pareille. Agir pour empêcher tout bon cas de brutalité policière et pour redresser la situation côté n'a pas de discrimination, mais d'injustice héritée de l'histoire. Au lieu de cela, au lieu de demander une déclaration incendiaire, nous finissons comme toujours inaction de Ram Logan. Je me rappelle, affaire après l'affaire Ram Logan, deux ans de cela, il annonce un grand fracas, une police des polices, qui empêche tout un cas de brutalité policière. Deux ans de cela. Deux ans plus tard, pas d'action. La déclaration irresponsable devant la guerre, qui est couvert par Ram Logan, qui est soutiré et couvert par Ram Logan. Tout ça là dangereux. Vous priez le ciel. Angoula, le Premier ministre de 1995 à 2000, nous finissons en 1999. Le Premier ministre, depuis 2005, pour prier le ciel, pour que la deuxième fois qu'il est Premier ministre, il y a une répétition de l'histoire, pas sur la faute des Valaïdes. En ce qui concerne l'affaire Jean-Marie Richard lui-même, il y a une allégation grave qu'il fait.